toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne du blog d'Issan. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo revue. Donc aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs produits que j'ai testé depuis maintenant on va dire 2 à 3 semaines. Donc je vais vous parler de produits pour les cheveux, de produits pour la peau, pour l'hydratation, etc. Sans plus tarder, let's get started, shall we? Alors, je vais tout d'abord parler d'un baume à lèvres donc, que je garde dans ma trousse donc tous les jours. Donc c'est vraiment un moyen pour moi de le tester tous les jours. Donc je l'ai testé vraiment tous les jours. Et il faut savoir que mes lèvres, c'est toute l'année. Il y en a assez. Toute l'année en fait j'ai les lèvres en fait gercées et c'est un gros problème avec moi tout simplement parce que j'ai trouvé aucun produit qui n'a réussi à m'éviter de me mordiller les lèvres et surtout d'enlever la peau. Et en fait donc j'ai eu la chance de pouvoir recevoir ce produit donc de chez Biotherm, beurre de lèvres. Donc c'est un baume à lèvres hydratant, repliant, hydratant, etc. Donc il est très gras, hein, je tiens à vous le dire, il est très gras. Il colle bien sur la peau, il part difficilement. Donc je l'ai testé. Franchement, pour une fille qui a les lèvres gercées, pour une fille qui se mord les lèvres, mais genre tous les jours j'arrache ma peau, il est au top parce que en fait mes lèvres sont beaucoup moins gercées qu'en temps normal. Ma peau en fait ne part plus. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment hydrater ses lèvres, hydrater chaque jour. Moi j'en mets toute la journée et voilà, ça vient de chez Biotherm. Après il n'y a pas forcément une odeur etc, mais je trouve que c'est un produit au taquet et franchement celui-ci je rachète sans problème. Ensuite je vais vous parler d'un lait corporel donc de chez Biotherm. Encore une fois pareil, j'ai eu l'occasion de pouvoir le recevoir via le site octoly.com. donc si vous ne connaissez pas le site octoly.com, c'est une plateforme que j'ai découvert lors de ma journée chez Birchbox. Donc c'est un moyen en fait de permettre aux youtubeuses qui ont plus de 1000 abonnés et surtout une moyenne de vues par vidéo de 500 vues, de pouvoir en fait recevoir des produits par l'intermédiaire de ce site via des marques. Et donc moi en fait j'avais choisi des produits vraiment pour pouvoir aider à trouver un problème. J'ai les jambes très sèches, j'ai les lèvres très sèches et je me suis dit voilà, on n'a pas forcément les moyens en tant qu'étudiante de pouvoir s'acheter des produits tout le temps. Donc voilà, c'était un moyen. Donc n'hésitez pas, si vous êtes youtubeuse et que vous me suivez et que vous ne connaissez pas ce site, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je vous mets mon lien de parrainage et surtout n'hésitez pas à cliquer. Et puis voilà, c'est aussi un moyen pour moi de me récompenser, de vous en avoir parlé et voilà. C'était une petite parenthèse. Et donc j'ai reçu ce lait corporel de chez Octoly, donc de chez Biotherm finalement. Et donc c'est un lait corporel pour les jambes. Alors il hydrate très bien, mais le souci pour moi ça a été l'odeur. Ça a une odeur de citron, je dirais plutôt une odeur d'agrumes. Et moi en fait au début j'ai eu grave du mal parce que ça sent fort et je sais pas, j'ai eu du mal. Et en fait... j'ai continué de l'utiliser parce que voilà, je voulais vraiment voir ce que ce produit là valait. Et au niveau d'hydratation, il est pas mal du tout. Il est un peu moins hydratant que le Théophile Berton que je vous ai mis dans la vidéo précédente, mais il est quand même pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. Donc voilà, c'est Biotherm, lait corporel anti-desséchant. Voilà, et il est paraben free, c'est-à-dire sans paraben, les filles, pour celles qui cherchent à savoir s'il y a des produits comme ça dedans. Ensuite j'ai également eu l'occasion de recevoir un mascara de chez Sephora. Coup de cœur. Coup de cœur les filles, mais vraiment. Je vais vous parler d'un petit produit miracle. Enfin pour ma part ça a été un petit produit miracle et aussi magique parce que j'ai cru comprendre qu'il ne marchait pas avec tout le monde. Moi il a marché, donc c'est un produit que j'ai eu chez Birchbox. Donc il s'appelle Talica depuis 1948, c'est un liposile, donc c'est un gel au liposome pour la pousse des cils. Je l'ai appliqué sur mes yeux, on va dire, pendant une semaine non-stop. Tous les matins avant de me maquiller et tous les soirs après le démaquillant avant dodo. Et en fait, je peux vous assurer que ça marche. Mes cils ont dû prendre au moins, sans vous mentir, j'avais déjà les cils longs, mais ils ont dû prendre au moins... 2 mm, 1 à 2 mm mais facile. J'ai fait une photo avant, je ferai une photo après et je vous ferai un article sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller sur www.leblogdissan.com pour éventuellement vous tenir au courant de ce produit magique. Donc voilà, ce produit là il coûte en moyenne 20 € sur le site de chez Birchbox.
Et croyez-moi, je pensais que ça n'allait pas marcher et ça a marché. Et du coup, ça vraiment, c'est un produit au top. Mais je pense que je vais le prêter à ma maman et voir si ça marche aussi avec elle. Et en fonction de ça, je ferai mon article sur le blog. Ensuite, nous passons à la partie cheveux. Donc les filles qui suivent mes boucles et ma routine capillaire, eh bien j'ai changé de shampoing. Donc je vous ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de vous faire une vidéo, mes produits terminés, je rachète ou pas, parce que j'ai une boîte remplie de produits et je les ai gardés. On sait jamais, je me suis dit c'est peut-être une idée de vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire pour savoir si je vous fais cette vidéo là ou pas. Et donc je suis passée chez la marque Nature Moi, donc shampoing volume à l'extrait de riz bio de Camargue et l'après-shampoing de Nature Moi également et d'amande douce et de bio de Provence. Alors les filles, il faut savoir que c'est sans sulfate, ni silicone, ni parabène et il est non testé sur les animaux et il est fabriqué en France. Donc il est un peu plus cher que un shampoing basique que vous trouvez chez Carrefour, mais franchement ce week-end j'ai fait un bain d'huile et d'œuf, donc jaune d'œuf, sur mes cheveux. Et celles qui me suivent sur Snapchat, donc je mets mon Snapchat juste ici, n'hésitez pas à venir me suivre sur Snapchat. Comment vous dire, mais mes cheveux, ils ont séché, mais bouclés. Je ressemblais à un caniche, mais vraiment. Donc voilà, ça s'achète chez Carrefour. Voilà, pour l'instant je suis satisfaite et c'est 96% d'origine naturelle. Voilà, c'est aussi un moyen de tester de nouveaux produits, etc, etc. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo-là, elle vous aura plu comme d'habitude. Et puis, bah, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, à me laisser des thumbs up vers le haut. Comme ça, je vois si la vidéo vous a plu ou pas. Et puis, en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye! Si tu es encore là, je te fais un gros check, merci à toi et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, le blog d'Issan. Et n'hésite pas à mater mes tenues sur mon blog www.leblogdissan.com. A très très vite, gros bisous, bye bye.